Bonjour à toutes et bonjour à tous. Nous sommes le 27 juin et je fais ce podcast, peut-être vidéo. Je voulais faire en vidéo, mais la luminosité est horrible. On a eu 2-3 jours de soleil en Normandie et là, c'est gris de chez gris. Et du coup, je me suis dit, si je veux avancer un petit peu sur mon projet de vidéo, podcast, voilà, faut que j'enregistre aujourd'hui. Donc voilà. Il y aura peut-être une partie que je ferai avec ma fille et peut-être en vidéo où on verra moi mais pas elle, on entendra, mais voilà, à voir. Voilà, j'ai pas mal de petits thèmes à aborder ici et là concernant ces derniers temps. Je vais faire la partie un petit peu spirituelle, paranormale, un peu plus avec ma fille. Donc on verra quand, comment. Voilà, on attend que ça soit terminé au niveau de l'école. Et puis, voilà, on verra les sujets abordés, notamment. Alors, de pendule, de contact avec l'au-delà. Et de quelques expériences, on va dire, dites spirituelles, paranormales. Voilà. Là, je vais vous parler par rapport à mon podcast, par exemple, là, concernant sur le soleil, parce que j'avais vu beaucoup de vidéos TikTok parler de ce truc sur le soleil. Enfin, voilà, je vous mets le lien dans la description de ma vidéo. Et je vous l'invite à la voir ou à revoir. D'ailleurs, elle est sur le profil de ma chaîne YouTube. Voilà. Il y a un mini tirage de ma team. Donc, je vous invite vraiment à la voir. Et elle peut être intéressante sur différents points de vue. Je vais parler de l'ITA et du solstice d'été qui a eu lieu il y a peu. Concrètement, depuis le début 2024, je n'arrive pas à fêter un seul sabbat. Je crois que le dernier que j'ai fêté, c'est Yule, et encore, on n'a rien fait de fifou, quoi. Et je sais pas, là, depuis début 2024, pas moyen de faire quoi que ce soit. J'y arrive pas, en fait. Le temps n'aide pas, les épreuves de cette année non plus, et... Je sais pas, le solstice d'été alors est arrivé assez bien, mais par rapport au printemps, etc., franchement, jusqu'à ici, j'avais l'impression d'être vraiment en mode hiver, de limite automne, vous voyez, où on commence vraiment à être dans le mood de l'hiver. Enfin, vraiment catastrophique cette année. Je ne sais pas si ça va durer. J'espère pour fêter d'autres sabbats. Parce que là, franchement, horrible cette année. Et voilà, j'espère pouvoir avancer. Alors, on est en plein solstice d'été. Et là, je vous ai dit, j'ai vraiment l'impression que le temps ne change pas, que rien n'avance. Que les saisons, les projets stagnent, tournent en rond, et moi ça me saoule, c'est horrible. J'ai vraiment l'impression de tourner en rond et de ne pas avancer. On est toujours au même point de départ que, je sais pas, l'année dernière. Voilà, et moi ça me saoule parce que vraiment, ouais, j'ai l'impression de stagner et de pas avancer. Ça, c'est un truc, ça m'insupporte de ouf. Et du coup, je pense qu'il y a des petites répercussions, même au sein de la famille, voilà, on s'énerve pour rien, enfin, il y a des moments où c'est super dur parce que, voilà, on n'arrive pas à évoluer et avancer, on va dire côté vie perso, voilà. Un autre sujet, alors, attendez, parce que j'ai écrit tout ce dont je voulais vous parler... ah oui, il y a le 22 juin, il y a eu des énergies qui étaient un peu bof-bof au niveau énergie de pleine lune, tempête solaire, voilà. Et je mets entre la pleine lune et tempête solaire, alors j'espère que ces énergies vont vite passer parce que pas agréable du tout. Je ne parle même pas de la nuit du 22 au 23 juin où pour ma part c'était quasi une nuit blanche. Voilà, et... on va dire que les nuits comme ça, je m'en passerai bien.
Qu'est-ce qu'il y a eu encore? Les législatives, parce que je vais en parler brièvement, je vous dis, je me sens pas vraiment concernée. Depuis quelques temps, on va dire, hein, même des années, pour ma part, j'ai fait mon taf pour les présidentielles, je crois que c'était la dernière fois, je sais plus. Concrètement, on ne peut pas dire que voilà, les résultats étaient escomptés. Hein. Avec mon cher étant, on s'est dit, bon, bah, ils ont fait leur choix, hein, ma foi. On verra les conséquences. Au jour d'aujourd'hui, j'ai pas vraiment grand-chose à dire par rapport à nous, par rapport à moi, mais je me sens pas concernée en fait. Je pense qu'il y a beaucoup de choses dans ma vie qui fait que je m'en fous un petit peu parce que peu importe qui et quoi sera au pouvoir, voilà, ça sera toujours plus ou moins le bordel. À part que je vois beaucoup que les gens nourrissent beaucoup le négatif dans leur, par rapport avec leur réaction. Vous connaissez le dicton, mieux diviser pour mieux régner. Donc voilà. Et j'écoutais un petit peu mon podcast que j'avais fait de tirage qui était sorti en novembre 2023. Et j'avais parlé de certains choix et de choses par rapport où j'ai été. Bah, je vous invite à aller le voir, voilà. Comme ça vous donne une idée de ce qui est arrivé, ce qui pourrait arriver. Après, c'est pas, voilà, c'est assez précis normalement dans les dates, mais je pense que vous connaissez que parfois les lignes de temps c'est un peu compliqué, donc. Il peut avoir quelques mois, quelques semaines de débattement avant, après, enfin voilà. Donc, je pense qu'il faut mieux se concentrer sur ce que je dis par rapport au tirage de cartes que j'avais fait. Voilà. Qu'est-ce que je peux maintenant prendre comme thème? Je vais parler un petit peu aussi. Par rapport à tout ce qui est changement dans la vie, etc. Je vais vous parler aussi un petit peu d'un truc qui m'est arrivé il y a au moins 20, une vingtaine d'années. Il y a quelques temps, déjà un petit peu de commencement l'année dernière, avec mon évolution spirituelle, j'avais envie, si vous voulez, d'être plus proche de mon âme que jamais en fait. Et il y a un truc qui m'est arrivé il y a quelques années qui m'a fait un petit peu changer, c'est pas le mot, mais je vais vous raconter. J'arrive pas à avancer concernant l'envie de porter ce que je veux. Il y a des choses que je m'interdis de porter parce que, ben, concrètement, je suis grosse. Le monde est pourri et notamment certaines personnes par rapport à ça. Donc la grossophobie existe. Il y a 20 ans, j'avais subi la critique d'un homme de 70 ans me disant que je n'étais pas faite pour porter une robe. Je ne l'ai plus jamais portée. Et je n'ai plus jamais porté jusqu'à l'année dernière où j'ai dit. Un doigt d'honneur. Voilà. J'en ai 41 aujourd'hui. Et j'ai évolué spirituellement. Mais je voulais que mon physique évolue aussi. Être en accord avec mon âme. Être enfin moi. Ne plus me cacher derrière des pantalons ou des gros pulls. Il y a des jours où je fais un pas, mais le passé me rappelle et je recule de 2 pas. Je regarde souvent des comptes incroyables de femmes rondes, grosses comme moi ou plus, et qui sont magnifiques et qui portent ce qu'elles aiment. Je fais un petit clin d'œil à Nicola Coughlan de Bridgerton, voilà, qui joue dans la série Bridgerton, que j'ai trouvé magnifique dans la saison 3, hein, avec une scène un peu olé-olé qui était incroyable, où on voyait les formes de Nicola Coughlan.
Et franchement, moi je dis bravo à la série et voilà, à l'actrice, voilà, et qui est magnifique, qui voilà, est ronde, oui, elle est ronde, mais elle n'est pas obèse. Faut arrêter de dire, j'ai vu des trucs, des propos comme quoi il y en a qui disaient qu'elle était obèse. Excusez-moi, mais si elle est obèse, alors moi qu'est-ce que je suis, quoi? Vraiment, on n'a pas la même notion d'obésité. Hein. Moi, je voudrais bien être elle. Hein. Je vous dis concrètement, je veux bien avoir son corps, il n'y a pas de souci. Hein. Je l'ai eu il y a des années et je me plaignais. Et franchement, je me dis, je me suis fait ces réflexions, je crois qu'il y a 2 jours. Je me suis mis, mais. Je me plaignais quand je faisais mes petits 75 kilos. Et aujourd'hui, j'ai une vingtaine de kilos en trop. Alors, grossesse, maladie, médicaments, enfin voilà. Je ne vais pas revenir sur les histoires de ma vie avec le fait d'être grosse. Mais. Waouh! Je me dis, mais putain, mais en fait, j'étais bien à 75 kilos. Je me plaignais. Et aussi, bon, il y a des histoires, voilà, de mon surnom quand j'étais petite et compagnie, mais en fait, c'est un tout, quoi, cette histoire d'être grosse. Et je vais pas revenir là-dessus, parce que voilà, ouais, ça, c'est un peu. Bon, bref, c'est pas vraiment le but de cette vidéo. Mais en fait, avec cette histoire de vouloir s'habiller comme je veux, je comprends pas, je n'arrive pas à savoir pourquoi je me bloque comme ça. Je ne sais pas. Je n'ai pas de réponse, je ne sais pas. Donc, est-ce que c'est le fait d'avoir vécu ça avec ce grand-père? Est-ce que c'est autre chose? Je n'en sais rien. Mais ouais, je sais pas. J'arrive pas à avancer sur le truc. Il y a des jours où je me suis même racheté du maquillage. Combien de temps? Je crois que c'était avec le Coco, donc depuis 2019, ouais, on va dire à peu près, ouais. Que je me maquillais avant et après bah, je me maquillais plus parce que je sais pas un changement voilà j'avais plus envie j'avais plus là je recommence à me maquiller un petit peu alors pas dans l'excès parce que je suis pas pro du maquillage et que j'aime pas ça du tout d'être maquillée outrance mais au moins juste les yeux voilà prendre un peu plus soin de ma peau etc mais je sais pas bref. Et aussi, j'avais vu un truc en parlant de maquillage. C'est pas parce que on est médium et spirituel qu'on n'a pas le droit de se maquiller. Y a rien à voir. Voilà. Non, parce que j'ai vu des trucs sous une vidéo avec Anne Tufigo. Il y en a une qui balançait ça. Attendez, non mais. Vous vous maquillez, bon, limite comme une. Voilà, c'était un peu dans ce style marqué. Voilà. Mais c'est pas spirituel. Non, mais il n'y a rien à voir. Mais il n'y a rien à voir. Des a priori, des machins. Enfin, bref. Hallucinant. On en est encore là. On est en 2024. Comme la grossophobie. Bref. Un autre sujet, allez, peut-être un peu plus. Non? Non, c'est pas très rose. En cette période 2024, de toute façon, il n'y a rien qui peut être rose. Voilà. Je suis un peu défaitiste, hein, mais bon. Oui, c'était par rapport au moment dans la vie, que l'on va dire perso, ou le côté spirituel, et comment dire genre. Ah, c'est bon, j'en peux plus, je sature, les énergies évidemment n'aident pas, la vie actuelle n'aide pas, surtout que dans le monde dans lequel on vit, hein, parce que franchement. Les saisons inexistantes, non plus un exemple, devoir passer derrière tout le monde parce que rien n'est rangé ou pas fait correctement ou à moitié, je pense que beaucoup de personnes connaissent ça, notamment les femmes, puisque. Je pense que la plupart des personnes qui écoutent ici, ce sont des femmes. Un petit coup d'eau avant que. Voilà. Autant vous dire que par moment, ma sagesse acquise au cours de ces dernières années, eh ben parfois fait place au dragon qui est en moi.
Alors, mon côté scorpion, si vous voulez, parce que nous, les scorpions, c'est bien connu, on est soi-disant des grands méchants, etc. Voilà. Alors, à chaque fois, je dis, il faut prendre du recul avant toute réaction. C'est un travail aussi sur lequel j'ai travaillé un bon moment. Avant de prendre toute décision, on prend du recul. Avant de s'énerver, on prend du recul. Et le plus souvent, franchement, on économise beaucoup d'énergie et de temps avec des gens, pour des gens qui n'en vaut pas vraiment la peine. Donc voilà, il faut se trouver un petit moment pour, et selon, soit exploser un bon coup, hein, parce que ça marche aussi, donc aller en pleine nature et gueuler un bon coup au milieu des bois, hein, c'est un exemple, ou dans son oreiller. Aller marcher, courir, taper dans un sac de frappe ou encore se payer un massage, prendre soin de soi et ensuite, après un petit recul, faire le nécessaire pour que la situation n'arrive plus ou à un point de non-retour. Mais alors, ce qu'on vit de famille ou en colocation, hein, vous savez comme moi que le plus souvent c'est de courte durée, hein. Évidemment, au début, vous allez pousser votre petite gueulante ou discuter tranquillement en disant écoutez, ça serait bien quand même que vous appreniez à ranger vos affaires et que je n'ai plus ce besoin récurrent de passer derrière vos miches pour parler poliment. Mais bon, forcément, avec des ados, un mec, voilà, on sait que ça dure pas. Je parle pas de mes expériences à moi, hein. Après, voilà, vous pouvez mettre par rapport à votre vécu à vous. Mais on sait que le plus souvent, bref. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Aujourd'hui, on fait un petit format vidéo. Je vous l'avais dit, peut-être, peut-être pas, vous voyez, hein, les images, c'est pas fifou, hein, mais bon, le temps est pourri, comme quoi je décide toujours d'enregistrer quand le temps est bien pourri. Voilà, mais bon, il fallait que je monte au moins pour la semaine quand ça sortira. Donc, comme il n'y a que là où vraiment on aura du temps et compagnie, on va faire ça aujourd'hui. Et donc, on avait prévu de parler de. Pendule! Tu suis pas. Bon, on peut dire Oui. bonjour si tu veux. Hello. Hello. Donc, oui, ma fille est là. Et on va parler de pendule. Et donc, du coup, dernièrement, les guides ont décidé que ma fille devait se mettre Au pendule. au pendule. Donc, comment c'est arrivé? Bah, je t'ai bassiné. Tu m'as bassiné déjà depuis bien longtemps, mais c'est surtout que bah, les guides t'ont mis le pendule un petit peu sur le chemin. Sur Instagram. Et notamment, oui, sur Instagram, beaucoup de choses de pendule et compagnie. Donc, je précise, ma fille a Instagram malgré qu'elle ait tel âge, mais je suis en train de mater tout ce qu'elle fait. Ne vous inquiétez pas, les mères parfaites. Donc, C'est prenant, quoi. il faut préciser, mais voilà. Donc, niveau pendule, il a fallu quand même une petite initiation de départ, hein, parce qu'elle ne va pas faire du pendule toute seule comme une grande. Forcément, il faut quelqu'un à côté, un adulte, et bien évidemment, je ne vais pas la laisser, c'était clair et net, je lui ai précisé qu'il n'était pas question qu'elle fasse du pendule toute seule sans que je sois là, au moins dans la Au pièce courant. ou au courant qu'elle va faire du pendule. Voilà. Je veux pas qu'elle aille. Voilà, le pendule, c'est pas anodin. On peut C'est pas un avoir des jeu. problèmes. Moi-même, j'ai déjà eu des problèmes de petits cons qui venaient me faire chier au pendule. Et voilà. Donc, au bout d'un moment, faut faire attention. C'est comme le Ouija, c'est comme les appareils électroniques quand on fait des enquêtes paranormales. Il faut faire attention avec qui on cause. Donc, on a dû voir au niveau de son taux magnétisme, parce que le premier jour c'était un peu catastrophique. Le pendule avait un peu de mal. Et immédiatement, je me suis dit, c'est qu'il y a une histoire de magnétisme et que son taux de magnétisme n'était peut-être pas très très haut. Et forcément, quand on le travaille, ça monte petit à petit. Donc, avant de choisir un pendule,
notamment certains objets, voilà, parce que moi je voulais vraiment un petit truc qui soit Simple. simple, efficace, et qu'elle ne se prenne pas la tête à chercher les questions, machin. Pour commencer, il faut des planches de radiesthésie, des trucs simples, clairs, nets et précis, avec un petit truc pour accompagner, etc. Et donc on a fait un choix après quelques jours de recul et du coup à force d'entraînement il y a eu une belle évolution on va dire Au bout de 2 journées, j'ai au bout de réussi. 2 jours son pendule faisait autrement et je l'ai un peu calqué sur le moins sur le mien pardon c'est-à-dire que moi je donne l'ordre que telle et telle personne qui travaille avec moi puisse utiliser ce pendule. Donc il y a moi qui l'utilise et d'autres personnes avec qui je travaille. Voilà, que ce soit guide, ancêtre et compagnie. Il n'y a que eux qui peuvent avoir accès à ce pendule. Voilà. Et moi, ma fille, a les mêmes guides que moi. Donc, j'aurais dit, il n'y a que toi et tes guides. Donc, donne l'autorisation à tes guides d'utiliser ce pendule. Donc après, bon, les conventions, les machins, le oui, le non. Voilà, c'est un peu compliqué au début, mais on y est arrivé. La preuve, celui qui il fait plus tout le temps, c'est en mode Oui, hélicoptère. bah, l'hélicoptère, après, voilà, c'est Plus que ça. normal. C'est soit selon, c'est, je pense, les guides aussi qui donnent une impulsion pour pouvoir monter l'énergie Parce que chaque ou. fois, dès que je le prends, c'est ouf. Oui, il y a une raison. Après, voilà, il faudrait que je leur demande. C'est vrai que là, je n'ai pas eu le temps encore de demander. Ensuite, parce que moi, quand je fais l'hélicoptère. En fait, c'est le plus souvent quand je demande dans un sens, ça fait l'hélicoptère parce que il y a une délibération ou un nettoyage qui est en cours et ils font dans l'autre sens une fois que c'est terminé pour recharger quelque chose. Voilà. Après, chacun ses conventions, chacun son le pendule. Voilà. Des fois, on a remarqué ça avec les expériences. Des fois, il faut leur donner des ordres et que Très ce précis. soit vous le maître du pendule. Donc, c'est vous qui décidez telle et telle convention sur votre pendule. Et des fois, ils ont leurs propres conventions déjà. Donc, voilà, même après nettoyage et compagnie, quand vous le recevez chez vous. Donc, au niveau du pendule, on revient à nos moutons. Alors, je vais essayer de pas toucher ton pendule avec les mains, sinon ça va être. Voilà. Sinon, je le tiens. Ouais, tu peux le tenir si tu veux. Peut-être en passant par là si tu veux le montrer. Donc, son pendule était dans Un petit sachet. le truc, donc un petit sachet, qui était dans cette boîte-là. Je vous montre là, je vous montre là. Donc, on a fait ce choix ici. Voilà. Je vais vous lire un petit peu. Je tiens à préciser que ce n'est pas un placement produit, c'est un partage et qu'on a payé ce produit. Ce n'est pas une pub. Oui, bah là, il fait l'hélicoptère. Voilà, donc tu nous montres bah, peut-être là, voilà, ici. Donc, après, il faut le temps que ça fasse focus. Donc, c'est un pendule en ferraille avec une petite chaînette toute simple, Avec une avec la petite petite perle. boule, voilà, une petite perle, voilà. Simple et Et efficace. donc, dans ce truc-là, il y a donc un pendule, 46 planches illustrées, Une un livre, poupée. attends, un livre de 208 pages. Alors, Que j'ai toujours pas lu. donc oui, mais après, voilà, faut, voilà. Ils expliquent qu'il y a 46 planches magnifiquement illustrées aux thématiques variées. Ça parle de relations, d'émotions, de mission de vie, de mémoire ancestrale, de géobiologie. Il y a un livre explicatif, voilà, pour accompagner les planches, pour expliquer un petit peu pourquoi, les protocoles d'utilisation, des conseils pour apprendre à utiliser, à purifier et à recharger votre pendule. Le livre, je voulais le lire, je n'ai toujours pas lu, parce que j'ai pas mal de lectures, donc il va falloir que je le lise. Il y a des petits exercices à faire, des rituels de méditation, de divination et de guérison. Et la personne qui a créé ça, c'est C'est Julie Caillebotte, je ne sais pas si ça se dit comme ça, mais moi je le dis comme ça, qui une est botte, j'aurais dit. thérapeute, énergéticienne et illustratrice. Dans ce coffret, ces superbes aquarelles qui ornent le livre et les planches sont porteuses d'une guidance, d'un message, d'une lumière. Et c'est au prix de 32 euros, ce que je trouve pas cher pour tout ce qu'il y a dedans.
Voilà. Et puis, je sais pas, dis-toi ce que t'en penses. T'en penses quoi? Bah, les cartes, il y en a quand même que j'aime pas, mais il y en a quand même sont quand même bien. T'as tes préférences. Donc, ça, c'est le livre. Voilà. Un petit peu comme ça. Donc, voilà Heureusement que comment. c'est pas le livre des Seigneurs des Anneaux. Avec les explications. Donc, c'est le livre qu'il faudrait que je lise. Pour expliquer aussi. Voilà. Ça, c'est toutes les fiches Avec un qu'il y peu de a. couleur. Il y a des petites couleurs derrière, chacun ses couleurs représente quelque chose. Par exemple, bon voilà, la planche numéro 1, s'entraîner avec le pendule. Voilà, il y a des petites choses comme ça. Des demandes d'autorisation. Il y a des petites choses Les oui, que le tu vois, nom. le oui, le non, les Quel datations, temps aussi? quel temps il fait. Les jours, les mois, les ans. Il y a après voilà un peu d'astrologie aussi qui est dans par exemple là je viens de tomber sur un identité et cause du décès de la mémoire akashique pour savoir si elle vient de vie antérieure ou non et sur quel type de mémoire travailler. Donc ça c'est un peu plus compliqué et ma fille a le temps de voir tout ça. Je sais pas après, oui, mais il me le demande de le faire parfois, mais bon. Oui, mais t'es un peu plus avancée qu'une personne lambda dans ce monde-là. Donc voilà. Donc voilà, il y a des petites choses intéressantes et ça peut permettre pas mal de choses au niveau libération, etc. Et elle a un truc qu'elle m'a dit. Elle m'a dit, depuis que je fais ça, je me sens Pas moins stressée stressée. et je suis plus détendue et en sécurité, quoi. Voilà, donc il y a une question de sécurité. Après, c'est son ressenti. Voilà. Et ouais, les explications, bah après, il va falloir que je lise tout ça, qu'on voie ensemble après les petites choses. J'espère que t'aimes lire. Voilà, je vais me lire, je lis tous les jours. Donc voilà, après, il faut vraiment que je me penche sur le sujet. C'est vrai que bon, voilà, le pendule, moi maintenant, ça fait. Bah, 10 ans. Non, peut-être pas 10 ans, 7 ans, 7, Non, 8 ans, 9 ans, plus que plus. ça. J'en faisais pas avant. J'ai commencé Quand quand j'avais j'étais. 6 ans, t'en avais un pendule. Mais t'es pas ouf, par contre, celui que t'avais, mais. Après, t'en as acheté un autre parce que je sais Ouais, plus si on pourquoi. calcule, ouais, bon, on va dire que ça fait quand même des années, donc c'est vrai que bon, ça je touche ma bille, quoi. Mais après, là, franchement, où j'étais bien au début sur pas mal de choses. Mais maintenant, c'est plus pour un oui, pour un non, quand je fais mes tirages, voilà, pour avec mes guides, etc. Bon, voilà, je veux dire, j'utilise pour leur poser des questions, notamment quand je suis pas trop. Parce que j'entends pas tout le temps, hein, clairaudience, clairvoyance. Bon, bah, il y a des jours avec, il y a des jours sans, c'est comme tout. Mais voilà. Je crois qu'on a fait le tour. Ouais, je crois. Moi, je pense qu'on n'a rien d'autre à dire de plus concernant le pendule. Ensuite, au niveau contact avec l'au-delà, alors, je pense que on va parler de quelque chose dont tu te doutes, ma fille. Contact avec l'au-delà. Qu'est-ce qu'on parle? Contact avec. Les ancêtres? Les ancêtres, mais pas que. Je pense que là, dernièrement, il y a eu des choses à la maison. Papy. Papy, oui. Donc, on va parler de ça brièvement, parce que voilà. Mais on a eu pas mal d'expériences depuis son départ. Ça a mis quelques temps, pas plus longtemps que ça. Donc, comme quoi, quand on dit il faut attendre un certain temps pour qu'il vienne nous voir, c'est pas forcément vrai. Et du coup, ouais, on a eu pas mal de choses, et pas que nous. C'est rien, stresse pas, moi. Non, mais ça fait déjà avant, alors. On va regarder après. Le chakra de la gorge, on va regarder après. Donc voilà. Alors, on a eu des contacts avec des défunts, on a eu des messages, des conseils. Il y a eu aussi des choses avec des objets. Des objets qui disparaissent. Pas que nous, aussi ailleurs. J'expliquerai après. Pas mal de choses, de projets, voilà, enfin, des projets avec, on va dire, nos défunts.
Mais comment vous expliquer? Faut garder à l'esprit, ça reste théorique, d'accord? Comme ça, vous faites votre propre opinion sur ce sujet. Vous savez que je suis comme ça, je n'aime pas dire et attester que c'est la vérité, c'est la mienne, c'est la sienne, c'est la nôtre, mais c'est tout. Deux secondes, je relance, je crois. Pourquoi? Parce que je vois qu'il n'y a pas assez d'espace sur le. Mais sinon, je verrai que sur le téléphone. Non, pourtant, il n'y a pas de. Bon, on va continuer que sur téléphone parce que je crois que j'ai un problème avec la tablette. Non, parce que j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un avec nous là alors. Ah, quelqu'un avec. J'ai l'impression que c'est papy quand tu as dit non, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un alors. Ça, je regardais, mais bon. Oui, en effet, il avait. Non, mais dès que tu as dit non, j'avais l'impression, je dis, mais attends, il y a Oui, quelqu'un non, avec nous ou quoi mais là? voilà, c'est pas grave, il peut rester là, il n'y a pas de souci. Donc, il y a eu des petites choses. Je crois que c'est pour surveiller si tu fous des conneries sur lui derrière. Mais non. Et donc, où j'en étais? Alors, des contacts, on a eu des objets, etc. Je vais revenir voilà, un petit peu sur ce qu'on disait avant, que la tablette bug. Et donc, il y a eu un truc, notamment avec une affiche dans ce style-là. Hein. Je ne sais pas si vous voyez, mais Attends, il n'y a pas attends, une autre j'ai ciné? poussé. Donc, comme ça, voilà. Pas une autre Non, c'est ciné? bon, j'ai poussé. Donc, en gros, désolé pour le radiateur derrière, mais bon, c'est vrai que c'est pas facile. Il y avait une autre affiche en bas. Qui était un peu Et il y féerique. avait des choses un peu de fées. Et il y a eu quelque chose. Hein, j'étais en train de faire un tirage en même temps, justement, avec mon défunt. Et il y a eu la carte, à un moment, ça voulait dire retrait, donc enlever quelque chose. Et à ce moment-là où j'ai posé la carte, l'affiche a volé littéralement En par pleine terre. face. Par terre, là, juste à côté de moi, ça a volé. Comme si quelqu'un avait fait comme ça et C'est dommage, il t'a nagué. pas foutu sa tête. T'es sympa, merci. Donc voilà. Donc c'était un petit peu costaud quand même parce que je me suis dit, bon, voilà. Donc j'ai compris après qu'il fallait que j'enlève cette affiche parce qu'il y avait une raison personnelle au défunt que je n'ai pas. Parler ici parce que ça ne regarde personne, mais il y avait quelque chose qui lui rappelait quelque chose qu'il voulait oublier durant cette incarnation qu'il a eue. Voilà, Dans cette vie. oui, mais c'est une incarnation donc voilà. Donc voilà, en gros, et on a discuté de plein de choses hein, avec ce défunt et il m'a donné certains conseils par rapport à certaines choses. Il y a aussi apparemment. Je demande avant. Oui, c'est bon. Apparemment, j'ai pu l'aider alors qu'il était monté, hein, parce que on a tout fait pour qu'il monte, voilà. Qu'il y avait des libérations à faire encore, alors qu'il était là-haut, pour en fait passer à autre chose, évoluer aussi à sa façon, on lui a pu l'aider. Et aussi, il m'a parlé d'une nouvelle incarnation, apparemment, il m'a proposé déjà une nouvelle incarnation, et il devait y réfléchir, et voilà, j'ai pas de nouvelles depuis par rapport à ça, et on verra. J'ai eu aussi des nouvelles d'une nouvelle incarnation, mais d'un autre défunt. Je te dirai après, qui a hésité, puisque je vous l'ai déjà raconté, D'accord, il y en a le jeu qui tombe. c'est bien, je vous ai déjà raconté que la nuit, c'est là où le plus souvent j'entends mieux, et parce que je suis HPI limite, voilà, et que mon Fermez cerveau à tes tourne en boucle, filles. mais, du fait que. La preuve, hein, j'ai un truc que je voulais dire, et maintenant ça y est, que je monte en fait me promener entre guillemets là-haut, voilà, je fais des allers-retours pour non seulement avoir des initiations de mes guides, etc. Et là, j'ai eu une donc
un défunt qui, il y a plusieurs années que j'ai perdu, avec qui apparemment je conversais pas mal, et il a eu une proposition d'incarnation lui aussi, pour là, on va dire 2024, peut-être pas, mais ça serait pour 2025. Voilà. Donc, le temps que ils choisissent un couple pour s'incarner et avoir une nouvelle incarnation. J'ai eu aujourd'hui un message et aujourd'hui, c'est fait. Il a sa nouvelle incarnation. Donc, s'il y a des personnes enceintes, peut-être que c'est lui. Et donc, ça s'est fait là, là. La dame a à peine, on est le combien? 29. Le 29 juin 2024, il y a peut-être une femme qui est enceinte, qui porterait, on va dire, un de mes défunts. Voilà. Donc, nouvelle incarnation pour cette personne, et ça va être chaud parce qu'il aura besoin de conseils, justement. Donc, comme je vais expliquer, c'est pas parce que tu t'incarnes qu'on ne pourra pas se retrouver là-haut pour discuter, parce que c'était un petit peu le point qui le retenait, en fait, apparemment, une des grandes discussions, et apparemment, voilà, ça lui faisait un peu, entre guillemets, chier de partir sans avoir mon point de vue là-dessus. Mais s'il veut s'incarner, ce n'est pas à moi de décider. Donc voilà, parce que lui, il a cette envie de t'incarner, vas-y. C'est pas parce que... tu es loin, tu es ailleurs que la preuve. Je veux dire, t'es parti depuis des années, ça veut pas dire qu'on n'a pas pu dialoguer. Voilà. Donc, encore une fois, garder d'ordre théorique, on se retrouve toujours à un moment ou à un autre. Théorie, pour moi, c'est ma vérité, et par rapport à mes expériences, est-ce qu'on me dit? Voilà. Donc là, ça, je relis parce que je suis plus en lui, ça, je l'ai dit. Ouais, les libérations, les messages, etc. Mais rien, voilà, rien n'est. Voilà, par rapport à tout ce qui est deuil, alors pas là, parce que la vidéo là qu'on est en train de faire, c'est la dernière. Cet été, il n'y en aura pas, parce que bah, algorithme YouTube, il n'y aura personne. Donc, il n'y aura pas de vidéo ou de podcast avant le mois de septembre. Un peu, peut-être un peu après, le temps que je prépare, etc. Mais aujourd'hui, ils m'ont annoncé qu'il y aura quelque chose potentiellement, on va dire, rien de l'ordre théorique aussi, que ce sera par rapport au deuil, etc. On verra. Voilà. Il y aura d'autres trucs, mais je sais plus quoi. Je sais plus, c'est en projet. Des fois, ils me parlent de trucs, mais ils sont pas sûrs, donc ils sont pas d'accord les uns et les autres, donc on verra. Est-ce que tu as d'autres choses à dire, ma chérie, d'amour? Je sais pas. Rien du tout? Non, t'as pas d'idée de quoi parler? Pas. Non. Non. Pas d'avis, rien. Alors, on continue. Encore quelques secondes, minutes plutôt. J'ai visionné une vidéo d'enquête paranormale. C'est très souvent que j'en regarde. Et c'est une à deux fois par semaine, peut-être. Mais là, je suis tombée sur une vidéo. Alors, c'est une personne que je suis pas forcément depuis longtemps, hein, parce que je crois que ça fait un an, peut-être plus, enfin, je sais plus. Je suivais pas trop avant parce qu'il y avait eu des histoires, mais bref, ça c'est des trucs que je m'en fous un peu. C'est Silent Hill et la vidéo c'est La maison de la sorcière. J'aime bien ces vidéos parce que là c'est authentique, voilà, qu'elle fait les choses à fond. Et là, elle a encore fait une fois, un peu plus, entre guillemets, les choses à fond. C'est une enquête assez intéressante, mais assez triste. Moi, j'ai versé ma petite larme. Et je trouve que Jill,
et un peu un exemple à suivre dans ce monde d'enquêteurs ou de chasseurs de fantômes. Je déteste ce mot chasseur de fantômes, déjà, ça m'énerve. Mais voilà, donc on va dire enquêtrice en paranormal. Je trouve que c'est assez un exemple à suivre dans ce monde du paranormal, du para, etc. Après, elle a quand même des connaissances extérieures au paranormal, que ce soit ésotérique, witchy et compagnie. Après, le problème qui se pose dans ce monde-là du paranormal, c'est que peu d'enquêteurs font le taf jusqu'au bout. C'est-à-dire, soit ensuite, après le résultat, etc., montage, ici, ils découvrent des choses, ou qu'ils ont plus ou moins les réponses sur place, qu'ils arrivent à les avoir, de faire venir quelqu'un, que ça soit médium, passeur, voilà, pour aider, notamment passeur, pour aider les entités qui sont sur place. S'il y a moyen de les aider, je sais qu'il faut des autorisations, et si c'est un lieu abandonné, s'ils ont les autorisations nécessaires, surtout de là-haut, parce que ça peut être, voilà, moi c'est ce que je fais, je demande des autorisations là-haut, si je les ai, pas besoin d'un propriétaire pour, si le défunt a besoin de bouger et de monter là-haut. Voilà. Donc, je pense qu'au bout d'un moment, c'est bien beau de demander des résultats, de dire parler, faites bouger un truc, machin et compagnie, mais au bout d'un moment, concrètement, mettez-vous à la place de ces entités, vous leur cassez les burnes peut-être, hein, pour parler poliment, et vous leur demandez des trucs qui leur demandent énormément d'énergie, même si vous leur autorisez à pomper dans un téléphone, etc. Voilà, au bout d'un moment, il faut aller jusqu'au bout. Si vous pouvez trouver quelqu'un et vous leur dites, il y a quelqu'un ici, dans ce bâtiment, est-ce qu'il y aurait moyen de l'aider ? Je vous dis concrètement, je ne demande jamais rien, moi, je ne demande pas d'argent. Moi, si quelqu'un me dit, il y a potentiellement des personnes dans un lieu abandonné, etc., est-ce que tu peux les aider? Je le ferai. Voilà. Et j'ai même pas besoin d'aller sur place. Ça peut se faire par téléphone ou à distance, quoi. Donc, voilà. Au bout d'un moment, j'ai envie de dire, ceux qui font des enquêtes paranormales, paranormaux, paranormal, ben on s'en fout, faites les choses jusqu'au bout. Voilà, pensez un petit peu plus loin que vos enquêtes. Et Jill le fait très souvent, hein, c'est pas la première fois qu'elle demande si est-ce que vous avez besoin d'aide, voilà, donc elle fait les choses correctement. Et je trouve que jusque-là, je crois que c'est l'une des seules, ou peut-être la deuxième personne, il me semble qu'il y en a déjà une aussi qui faisait ça, qui demande si les défunts ou les entités qui sont sur place ont besoin d'aide. Et concrètement, cette personne, de mon avis, la dame, je pense qu'elle se pense coincée. Elle n'est pas coincée de toute façon. C'est juste qu'elle a des attaches familiales, matérielles, etc. Mais que, voilà, elle avait du mal à se détacher de tout ça. Et je crois que Jill a, ça fait un petit moment, la vidéo doit faire 15 jours, un truc comme ça. Je crois qu'elle a réussi à la faire monter. Donc, encore une fois, il n'y a pas forcément besoin d'être passeur. Hein, regarde mes vidéos sur les passeurs, d'être passeur. Du moment que c'est fait qu'amour, on peut aider une entité, un défunt, à monter. Voilà, ça dépend de l'entité, ça dépend de plein de choses encore une fois, mais on peut aider ses défunts à monter, à passer à autre chose, à évoluer, etc. Donc voilà, je vais vous mettre en description tout ce qui est vidéo de la vidéo de Jill et ma playlist sur les passeurs. Je pense que voilà, vous aurez tout l'été pour mater tout ça, si ce n'est pas déjà fait. Et je l'ai toujours dit, ce n'est pas parce qu'on n'est pas médium, passeur d'âme, que l'on ne peut pas faire passer un défunt
Là, le temps de discussion, etc., qu'ils ont passé dans le lieu, je pense que la dame a dû ressentir qu'il y avait quand même quelque chose de l'ordre de l'aide. Et je pense que Jill a eu les bons mots, etc. Donc, je vous laisse ça parce que ça va couper. Merci et à bientôt pour de nouvelles aventures. Et on se retrouve à la rentrée en septembre.